Bonjour à tous, je suis très heureuse et très honorée d'être votre modératrice ce soir pour cet événement centré sur l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie d'être encore nombreux à la COP26 au pavillon de l'Union européenne. Nous tenterons d'analyser avec les différents intervenants comment, aux différentes échelles, territoriales, nationales, supranationales, les États et organisations de la région s'organisent pour prendre en compte les questions de changement climatique. Je suis Mathilde Borloorens, directrice climat à l'Agence française de développement. Cet échange s'appuiera sur l'expérience de deux pays de la région, la Côte d'Ivoire et le Libéria, mais aussi sur l'expérience de la commission de la CDAO. Je comprends que M. Sy Traoré, directeur agriculture et développement rural de la CDAO, devrait nous rejoindre en ligne prochainement pour nous présenter les grandes lignes de la stratégie régionale climat de la CDAO en avant-première, on l'espère. J'en profite d'ailleurs pour indiquer aux personnes qui sont dans la salle qu'il y aurait une session de questions-réponses à la fin des interventions. Chaque intervention se succédera sur ce panel. Et que pour ces questions-réponses, il faut vous connecter au site qui sera affiché prochainement par ici. Je ne prendrai pas de questions dans la salle. Voilà, pour vous laisser le temps de vous connecter et de poser vos questions au fil de l'eau. Le professeur Wilson Tarpe, directeur exécutif de l'Agence de protection de l'environnement du Libéria, sera également donc parmi nous, ainsi que M. Frédéric Zabka, sous-directeur des politiques et stratégies d'atténuation et d'adaptation à la direction de lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire. Enfin, Nicolas Chenet, directeur du département développement durable d'Expertise France, partagera également avec nous son expérience et l'expérience acquise au travers des programmes Adaptaction, financés par l'Agence française de développement, et de la Global Climate Change Alliance pour l'Afrique de l'Ouest, financée par l'Union européenne, et que je remercie encore de nous accueillir ce soir. Ce side event doit témoigner de l'effort et de l'exemplarité que les pays ouest-africains et la région ont démontré, non seulement dans la révision de leur CDN, mais également dans le déploiement des premières actions de mise en œuvre de ces engagements, malgré des conditions parfois difficiles sur des sujets nouveaux, avec des ressources difficiles à mobiliser. Frédéric Zabka, à vous, au-delà de vos fonctions au ministère de l'Environnement, vous coordonnez notamment la mise en œuvre de la stratégie bas carbone de la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous dire quelle stratégie est et sera mise en place par le ministère de l'Environnement pour mobiliser ses homologues institutionnels, sectoriels, parvenir à mobiliser les acteurs au niveau des territoires en Côte d'Ivoire pour réussir cette intégration? Quels sont les dispositifs et outils de coordination qui ont été et seront mis en place? Merci beaucoup, madame. Je voudrais, avant tout propos, vous exprimer donc notre gratitude pour avoir donc identifié la Côte d'Ivoire, pour partager donc son expérience en ce qui concerne donc la coordination dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Alors, pour revenir donc à votre préoccupation, il faut noter que, à l'instar de tous les pays, de la plupart des pays donc qui sont membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et avant donc d'aller à la COP21, la Côte d'Ivoire a donc fait l'exercice d'élaborer donc ses premières CDN, dans lesquelles elle avait pris donc l'objectif de réduire ses émissions de 28%, mais également de renforcer la résilience dans 11 secteurs stratégiques de son développement. Alors, pour assurer une bonne mise en œuvre de ce document, qui est donc le document qui cadre un peu l'action climatique, il fallait faire en sorte qu'il y ait donc au niveau institutionnel une entité qui puisse assurer donc la coordination de toutes ces actions-là. C'est donc dans ce cadre que une direction de la lutte contre le changement climatique a été créée par décret en 2016. Alors, elle est donc chargée, comme je l'ai dit, donc d'assurer au niveau national cette coordination-là. Mais pour le faire, elle est donc obligée de s'appuyer donc sur des documents de stratégie, parce que ce sont ces documents-là qui cadrent finalement son action. Donc, on en a beaucoup, les documents de planification au niveau national. D'abord, la CDN même est un document de politique, donc qui parle un peu donc des différentes actions qui sont prévues
que ce soit donc au niveau de notre ministère, mais également dans les ministères sectoriels. À côté donc de ce document-là, il y a d'autres documents de notification. Et ces documents de notification-là, leur rôle essentiel, c'est de pouvoir cadrer, donc orienter la direction dans ses prises de décision pour assurer une bonne coordination. On ne va pas tous les citer ici. Hein. Il y a donc les communications nationales qui sont élaborées, dans lesquelles donc il est mis en place donc, des systèmes de coordination. Il y a également donc le document EBT et j'en passe. Alors, pour assurer donc cette bonne coordination sur la base de ces documents sectoriels, vous savez que dans la plupart donc, des pays de la sous-région, il y a des documents phares de politique qui sont les documents nationaux de développement. Donc le PND qui est notre document cadre qui finalement a en son sein tous ces documents de politique-là. Et cette année, la Côte d'Ivoire en fait en sorte, même pas cette année, mais depuis quelques années passées, depuis l'accord de Paris sur le climat, nous nous sommes battus au niveau donc, du ministère de l'Environnement et dans les ministères sectoriels pour que dans le document national du développement, il y a donc ces actions-là en lien donc avec l'environnement et le développement durable. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'un axe a été dédié donc aux aspects liés au changement climatique. Donc ces documents de politique existent. L'État a donc cette volonté, je vous parlais donc de la création de la direction de lutte contre le changement climatique, mais il y a donc besoin qu'il y ait donc des outils opérationnels qui puissent assurer cette coordination-là. Il y a les entités, il y a les documents, mais s'il n'y a pas donc d'outils opérationnels, bien évidemment, nous n'allons pas pouvoir parvenir donc à assurer une bonne action climatique en Côte d'Ivoire. Alors donc ces outils-là deviennent finalement pour nous des besoins urgents que nous devons pouvoir combler pour assurer cette action-là. Alors au titre donc de ces outils-là, il est à nécessité donc de mettre en place un bon dispositif juridique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le climat est devenu, j'allais dire, la danse de tout le monde. Chaque ministère, en ce qui le concerne, veut avoir des actions donc, qui touchent au climat, parce que ça mobilise beaucoup de financement. Donc s'il n'y a pas un cadre juridique assez pertinent qui encadre un peu toutes ces actions-là, évidemment, il va y avoir des problèmes. Donc ce besoin-là, il existe. Donc quand je parle de cadre juridique, c'est vraiment une loi sur le changement climatique avec des décrets d'application opérationnels hein, qui puissent cadrer l'action et identifier ce que chaque ministère sectoriel, ce que les secteurs privés, ce que les organisations, donc, ce que les collectivités doivent faire. C'est vraiment dans ce document-là que toutes ces actions-là doivent être bien déclinées. Mais on a donc tous ces dispositifs-là, mais à côté, pour assurer donc le bon suivi, il nous faut un système de suivi opérationnel qui va donc s'appuyer sur ce dispositif juridique pour nous permettre finalement de pouvoir assurer cette bonne coordination avec les entités nationales. Quand on parle d'entités nationales, c'est vrai qu'il y a les ministères sectoriels, mais il y a aussi au niveau régional toutes ces collectivités avec lesquelles nous travaillons, mais également avec le secteur privé qui joue un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre donc, de ces CDN. Donc ce système-là, il est important et nous, j'allais dire, comme les choses arrivent au moment opportun avec l'Union européenne, nous sommes en train de réfléchir donc à la mise en place d'un cadre de suivi opérationnel avec l'appui donc d'Expertise France. Le document action, il a été discuté, il a été endossé par donc le ministère et le gouvernement. Aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est de décliner donc toutes les activités qui vont être mises en œuvre sur les 5 ans de sorte à déboucher sur ce deuxième cycle de révision qui permettra donc d'assurer donc cette coordination au niveau national. Mais à cela, bien entendu, il faut qu'il y ait un plan de communication. Un plan de communication pour, en termes de partage d'expérience, mais surtout pour revenir sur, donc, sur ces acquis-là et ce qui a été fait en Côte d'Ivoire pour que ça puisse servir d'exemple. Et les COP pour nous sont quand même des cadres dédiés pour partager ces expériences-là. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, madame, c'est vraiment sur ces aspects essentiels. Il y en a d'autres, bien entendu, mais comme le temps il est très imparti, je voulais revenir sur ces aspects-là pour vous dire ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Et cette coordination qui a été mise en place est aussi adossée à des plateformes qui sont mises en place. C'est-à-dire que le ministère de l'Environnement assure la coordination
de cette plateforme-là qui a en son sein des ministères sectoriels, mais également les organisations dans le secteur privé et des collectivités. La Côte d'Ivoire a bénéficié de l'appui de 9 partenaires pour assurer donc son processus de révision. J'ai assuré la coordination avec mes collègues qui sont même dans cette salle-là. Et c'est vraiment à travers donc cette plateforme-là que nous avons pu mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour aller à cette révision-là. 9 partenaires, ce n'est pas petit. Chaque partenaire avec son process, avec ses procédures, ça n'a pas été facile, mais on s'est beaucoup appuyé sur cette coordination-là pour pouvoir réussir donc cette révision-là. Les résultats sont disponibles. Nous voulons donc nous avons déjà communiqué au gouvernement, mais il faut que ces résultats soient adossés à ce qu'on appelle chez nous une communication au Conseil des ministres avant que ce document ne soit transmis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc bref, madame, voilà un peu quelques aspects sur lesquels je voulais revenir et vous remercier donc pour votre question. Merci beaucoup, monsieur Zabka. On sait à quel point c'est difficile, effectivement, d'assurer la coordination avec toutes ces parties au niveau national et la cohérence, en fait, hein, de toutes les décisions prises sur les politiques publiques, la planification, et aller effectivement jusqu'à l'élaboration des outils opérationnels et du cadre juridique. Et je note aussi tous les travaux en cours et lancés sur les questions de suivi et évaluation. Il y aura peut-être une question sur ce sujet par l'audience. Thank you very much, Your Excellency, Professor Wilson Tarpey. So you're Executive Director of the Environmental Protection Agency of Liberia. We are now going to discuss another key challenge beyond the mainstreaming of the NDCs within sectoral or local national policies that we just discussed, which is how to involve at local level the civil society as a whole to ensure an effective NDC implementation. So we are now going to move to the experience of Liberia. Could you explain to us what leverage your agency is using in Liberia to involve the whole Liberian society along other partners in reaching the national commitments to the Paris Agreement? Could you give us especially local examples as concrete as possible of why this appropriation is key for reaching your commitment and share with you your experiences, challenges and lessons learned? Okay, thank you very much. Let me thank you on behalf of Liberia, the president and the people of Liberia, for this invitation to share our experience. And I would like to recognize the presence of three of my critical scientists, as Mr. Wapo is there, and I have the UNFCCC head and the director of the MEA, which is the Multilateral Environmental Agreements, Mr. Nyenabo, and my chief technical advisor, Mr. Kamo. So I want to tell you, thank you very much. Well, what we do in the case of Liberia is the issue of the environment and climate change is something that first we must be able to put in a segment that people will understand. When you talk about the environment, how does the common person on the street understands that? Because that individual has an impact on the environment. How does he understand that? We live in a country where at least 60% of the population is below the age of 35. At least 60%. So that means the fight that you have with the environment, climate change, must involve those people. In order for you to do that, when you do that segmentation beyond those people, then the next level is the government. How do you get the government involved? Because there are certain aspects of the fight that government will have to indulge. You have to get government. So we start in the EPA. What we do is a department called intersectorial, and that intersectorial is where significant resources are invested to go in the communities and inform them what environment is. What happens when you go near the wetland and you construct? What happens to you? What happens if you decide to go in the waterway and build a structure? What happens? What happens if you live near a forest or a protected area and you begin to go into the forest? What happens to you? Once we understand that, then the next thing is to work with them in developing what we call our NDC, which is
across the spectrum. We got about 11, 12 sectors that are in there, mainly agriculture, energy, and what have you. That's what we have. So once we understand that, and the people, we do a lot of work with the awareness, which is critical. Unfortunately, the level of resources that go into awareness relative to other funds is negligible, which is sad, because you take a $20 million project to go into to the environment, to the community, to do projects, and the community does not understand what is it that you are trying to do. So we need to put some money. So that's where we go with respect to the one. Then the NDC itself, the construction of the NDC started from the bottom, from the community. We have CBOs, CBEs, we have the civil society on the next level, all sectors, student groups, religious groups, they started the working of the NDC. Then we brought it up to the policy people. And the issue of the environment, I don't know about my colleagues around here, but in the case of Liberia, the people in the community understand it more than the policymakers. Then the policymakers, if they understand it, you need their buy-in. But the way we've been able to do it, fortunately, we have a president who is a former ghetto dweller. I mean, there's no shame about it. We all grew up in the ghetto, so we understand when somebody says you cannot construct this septic tank in this place without contacting EPA. So once we got into the drafting of the NDC, we moved strictly to the organization of a national conference. And the president got the cabinet to subscribe to that. And thanks to my people, my staff here, we put together the national conference. Again, our partners swiftly came. EU, want to say thank you for the support. CI, Flora and Fauna, UNDP, all of our colleagues came, and then we got the political buy-in. And this is where we are. The president just left from here. Difficult schedule, but he came because the issue of climate change is significant. It's very, very significant. Now, what do we do now? The next step in order for the NDC to work, we want to be able to preserve the forest. Liberia has at least 40% of the Upper Guinea forest. So that means we call ourselves the lungs and the heart of Africa. And you put it together with the Congo Basin. What we do, we provide health to the global lungs. How do we preserve that? We want to be able to preserve that. We want to be able to conserve that. But in order to do that, I must be able to offer an alternative to the community that live along the forest. How do I tell them that you can't go into the forest to fell the trees? And this is something from time immemorial. That's why his parents brought him in, their parents brought him in, their grandparents brought him in. How do I do that? We want to be able to help them to do that. To do that, we must provide life skills, alternative life skills, so that they can be able to preserve the forest. Other than that, we call it the chainsaw massacre will continue. As long as you don't do anything about taking care of those people, the chainsaw massacre can continue. In order to stop the chainsaw massacre, then the carbon credit trading comes in. That's where the president of Liberia came from yesterday when he was making reference to the need for a trading facility for Africa so we can be able to do that. And that is where we are because the issue of climate change is important. This is, we are in November. This is the dry season, we call it the summer. Normally we don't have rains. In January, February, that's the peak of the summer. This year, we had torrential rains. We have floods. Never ever seen that. So people understand what climate change is. But when we talk about climate change, then we have to take it from the intellectual level, bring it to the practical level and what it means. And so what do we do? How have we been able to do it? We started the work from the community. It's the community that informs what we do in the NDC. Then it comes to the government, intersectorial, everybody comes in. And in the EPA, we have something called the ESWG, which is the Environmental Sector Working Group. We meet every month to review the NDC, to review activities of the various sectors and how these sectors individually and collectively impact on the NDC. So this is how we've been going, and I think
It's been very refreshing. It's a long haul, but we have to be able to do it. So two things will come. Do we go into mitigation or do we go into adaptation? But mitigation, that's something else. Mitigation is a function of how long it takes to act. When you take a long time to act, you have a lot to mitigate. Adaptation, we prefer that because there are certain things beyond that that the population or the community we have to do to develop themselves. And maybe later on in the discussion, we can consider globally, you know, you are the partner to see the funding for adaptation. Does it become a loan or a grant? But that's a different argument. Mm. Thank you, Professor, and for being straight to the point and transparent on key questions indeed. I'm sharing a number of your messages, notably on the first one on the awareness raising, importance of the awareness raising at all levels is indeed something which I think in all organizations and nations we do face. And of course, the importance of the work that you're doing in your country, especially with regard to forest preservation. I hope that we have the panelists connected. No, it's not connected. No. We lost connection with the speaker. So I hope. Pardon, je vais retourner au français en plus, je n'ai pas fait attention au transfert. Je vais du coup passer à vous Nicolas Chenet en espérant qu'il pourra se reconnecter à temps pour faire son intervention, parce qu'en plus c'était très intéressant d'avoir le niveau supranational de la CDAO et du rôle qu'une telle organisation peut avoir. J'espère qu'on l'aura voilà. Et du coup, je retrouve mes notes. Nicolas Chenet, donc on a vu comment au niveau de la Côte d'Ivoire et du Libéria, ces organisations s'organisent et travaillent sur les questions de changement climatique. Je me tourne vers vous en tant que directeur du développement durable d'Expertise France. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'Expertise France sur ces sujets et comment fonctionnent vos travaux de coopération face à l'ampleur de ces défis dans ces pays? Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra retrouver la CDAO, mais je vais effectivement prendre la parole avant. Merci beaucoup à mes collègues de la Côte d'Ivoire et du Libéria pour leurs interventions très, très inspirantes. Je pense que le rôle d'une agence de mise en œuvre aujourd'hui, telle qu'est Expertise France, c'est d'essayer de faire fonctionner les objectifs et les stratégies qu'on a essayé de se donner au niveau de l'accord de Paris, au niveau donc supranational et international. Et puis bien sûr d'aider autant que faire se peut les pays et les organisations à essayer d'opérationnaliser et effectivement d'avoir une déclinaison de ces CDN notamment qui puisse être la plus concrète possible et la plus réaliste et également d'accompagner les pays dans ce suivi. Une agence de mise en œuvre comme Expertise France, nous fonctionnons donc sur des fonds principalement européens, par exemple dans le cadre de financement de l'Union européenne comme ce programme GCCA+ ou GCCA+ en bon français qui effectivement concerne l'ensemble des pays de la CDAO plus le Tchad et la Mauritanie et sur lequel on a essayé de travailler à plusieurs échelons. Et également nous fonctionnons sur du financement français de l'Agence française de développement avec des programmes comme Adaptaction par exemple où on va essayer de renforcer les contributions des différents pays et bien sûr leur opérationnalisation. Je pense que le cœur aujourd'hui du sujet de la mise en œuvre de l'accord de Paris, c'est effectivement cette capacité qu'on aura à décliner les engagements, cette capacité qu'on aura à avoir des engagements qui sont compris, qui sont acceptés par les populations et surtout qu'on arrive à avoir une cohérence entre les engagements qu'on prend au niveau international, au niveau régional et au niveau local. Pour nous, le cœur maintenant du sujet, c'est effectivement d'être
Très modestement, et encore une fois, on reste une agence au service, bien sûr, des pays et des États et des organisations. Et cette courroie de transmission, cette capacité qu'on va avoir à faire parler les différents niveaux, à faire de l'intersectoriel, à avoir des personnes dans les différents ministères qui comprennent cette CDN et qui sont capables de la décliner au niveau de leur secteur, à avoir dans les villes des engagements qui répondent à ces engagements qui ont pu être pris au niveau national, et puis bien sûr, à avoir également des populations qui ont été sensibilisées par rapport à cette problématique du changement climatique, et comme vous le disiez très bien, qui sont capables aujourd'hui de le matérialiser déjà bien mieux que nous, mais qui ont besoin peut-être d'être accompagnés dans leurs engagements, et notamment par l'intermédiaire du financement que les États peuvent apporter. Expertise France, nous avons eu la chance de travailler dans le cadre du programme Adaptaction, par exemple, sur des outils de suivi, évaluation et de mise en œuvre de ces CDN, puisqu'évidemment, ces engagements, et ça va être le cœur des discussions notamment, et c'est déjà le cœur des discussions de cette COP26, comment est-ce qu'on est capable de les suivre? On a été capable au Sénégal, par exemple, au Niger ou en Côte d'Ivoire, de travailler dans le cadre du programme Adaptation sur ces outils de suivi et évaluation et sur cet accompagnement qu'on va proposer au pays. On a été également capable, mais je crois qu'on va peut-être retrouver notre collègue Alain Citraoré, donc je ne vais pas parler à sa place, mais on a été capable de formaliser une stratégie climat dont j'espère qu'il pourra nous dévoiler les prémices au niveau de la CDAO dans le cadre du programme GCCA+. Et puis également, on a pu mettre en œuvre, par exemple, au Liberia, on a pu contribuer avec un modeste financement, mais sur l'organisation du dialogue pour la finalisation de cette CDN révisée, dont je félicite d'ailleurs le Liberia pour ce dialogue qui a abouti donc en octobre 2020 déjà sur cette CDN révisée. On a également des programmes financés par l'Union européenne, qu'on mène d'ailleurs en partenariat avec l'Agence française de développement dans les villes secondaires d'Afrique de l'Ouest notamment. Le programme sur la Convention des maires en Afrique subsaharienne en est un exemple. C'est vraiment où on va travailler sur des plans climat, où on va essayer de décliner ces objectifs qu'on a pu avoir au niveau national et supranational dans les villes. Donc je dirais qu'encore une fois, et modestement, notre rôle en tant qu'agence de mise en œuvre, c'est vraiment de répondre à cette problématique de cohérence entre les engagements, et d'être capable d'avoir, encore une fois, ce fil qui ne se détend pas et qui reste extrêmement cohérent et tout à fait ambitieux entre les différents intervenants, qu'ils soient locaux, qu'ils soient nationaux et même internationaux. Et encore une fois, et je pense laisser à la suite si tout va bien, mais parce que j'aimerais effectivement que la CDAO puisse nous parler de ce programme qu'on a pu accompagner. Mais je pense que la capacité qu'on aura aussi par les organisations régionales à être cette courroie de transmission entre ces engagements internationaux et les engagements nationaux va être capitale dans la suite de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et je pense vraiment effectivement qu'on a tous un rôle à jouer dans cette mise en œuvre qui est maintenant la clé de cette ambition qui doit être complètement déclinée. Merci beaucoup, Monsieur Chenet. Il voit une transition effectivement parfaite, hein, on l'entend, puis c'est quand même le fil rouge de ces interventions, de la population, les collectivités locales, le secteur privé qui a été abordé, le niveau national. On passe au niveau régional. Monsieur Citraoré, vous devez être en ligne. Pouvez-vous nous expliquer quel rôle la CDAO peut jouer à travers son mandat pour relever le défi climatique dans la région? Et puis, je crois que vous avez des éléments à partager avec nous sur votre stratégie régionale climat pour rentrer dans le concret de ce qui peut être effectué par une telle organisation. Et je pense que ça sera intéressant pour d'autres organisations du même type. Et je vous vois à l'écran, donc vous êtes bien là. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Je j'interviens à distance et ce n'est pas évident. La connectivité n'est pas la chose la plus formidable partout. Mais j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Alors, sur la première question, je voudrais d'abord dire que tout d'abord, nous, en tant que CDAO, nous ne sommes pas, comme on appelle, une organisation signataire de l'accord de Paris, comme l'est par exemple l'Union européenne. Et pour autant, l'action climatique que nous faisons s'inscrit parfaitement dans les traités
constitutif de notre organisation, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle CEDEAO. Donc notre action au niveau régional vise essentiellement à soutenir et à compléter ce que nos États membres font. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de notre action, il est mené naturellement dans le respect des compétences d'attribution et des principes fondamentaux prévus par notre traité. C'est-à-dire qu'il faut respecter les principes donc, de solidarité, déjà, ça c'est le premier niveau, les principes de coopération interétatique, les principes d'harmonisation des politiques publiques, les principes d'intégration, etc., etc. Et naturellement, le plus fort, je pense, à mon avis, le principe de subsidiarité. Laisser les États exercer leurs compétences directes sur des choses qui sont d'application nationale. Et nous, au niveau de la CEDEAO, en tant qu'organisation communautaire, essayer maintenant de ramener une sorte de convergence, cohérence et synergie entre les différents États membres. Et l'avant-dernier élément que je pourrais dire sur cette partie-là, le rôle intrinsèque possible de la CEDEAO, qui est vraiment, qui fait partie de son cœur de mandat, c'est que le droit communautaire, certains vous le diront, il prime sur le droit national. Bon, c'est quelque chose de magnifique. Cependant, nous essayons quand même de le manipuler avec des moyens pour le rendre un peu plus, j'allais dire, effectif sur l'action climatique, afin que l'action climatique au niveau régional soit plus effective. D'autant plus que nos États membres ont pris individuellement des engagements de créer des conditions favorables à la réalisation des objectifs de la communauté matérialisés dans le traité et également en respect avec les règles et les principes juridiques de la communauté, ce qui est naturellement bien inclusé dans notre protocole, dans son article 4, qui fonde vraiment le fonctionnement de la CEDEAO. Donc on a plusieurs chapitres dans notre mandat régional qui nous donne ce pouvoir-là et qui fait que nous agissons, même si nous ne sommes pas partis, comme vous le dites, dans la COP26, dans les COP, pardon, et même si nous ne sommes pas partis signataires de l'accord. Donc nous essayons de pousser l'ensemble de nos États à atteindre cet objectif. Et c'est pour cela qu'un projet qui est en cours, qui d'ailleurs nous permet de nous réunir aujourd'hui, peut apporter de l'appui au Libéria, peut apporter de l'appui en Côte d'Ivoire, peut apporter de l'appui, en tout cas, à l'ensemble de la communauté des États membres pour évoluer vers les objectifs que les États eux-mêmes se sont fixés. Alors, dans la deuxième partie de votre question, les principaux leviers régionaux se matérialisent à travers divers politiques sectorielles. Nous avons des plans d'infrastructure, nous avons ce que nous avons appelé un master plan d'infrastructure au niveau régional, nous avons une politique agricole, nous avons une politique énergétique. Et de plus en plus, on s'est rendu compte avec l'accord de Paris particulièrement et les autres accords, qu'il était nécessaire pour nous au niveau de la CEDEAO de mettre notre vision comme dans un cadre fédérateur qui va guider un peu l'action et qui va conduire un peu l'action régionale en soutien aux États, comme je l'ai dit plus tôt. Cela va se faire à travers la stratégie régionale climat. Et c'est dans ce cadre que nous voulons procéder pour mettre ce dispositif régional et qui va nous permettre de cerner toutes les orientations et actions nécessaires pour être plus concret sur le terrain. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier élément, c'est de rendre vraiment climato-compatible tout le dispositif régional des politiques publiques que j'ai mentionné tantôt. Et comme exemple que je citerai en premier lieu, nous avons par exemple une réserve régionale de sécurité alimentaire. C'est un instrument qui est mis en place, qui a été pris par acte traditionnel et signé par les 15 États de la communauté, pour répondre un peu justement aux défis liés à la vulnérabilité qui pourraient survenir liés aux effets néfastes du climat ou d'autres catastrophes, même si les effets néfastes du climat sont les éléments les plus visibles aujourd'hui. Et donc, en mettant une réserve en place, nous pouvons aujourd'hui dire que le nombre de personnes, de toute façon, qui va souffrir de la faim, hein, comme vous le savez, sont des chiffres catastrophiques qui sont énoncés aussi bien par les données de la FAO. Je crois qu'on parle de 840 millions de personnes dans le monde qui vont souffrir de la faim d'ici 2030 liées aux effets des changements climatiques.
Donc nous, c'est comme si on avait déjà plus ou moins anticipé. Et depuis 4 ans, nous intervenons déjà sur demande de nos États, principalement d'ailleurs les pays du Sahel, quand il y a des difficultés. Mais c'était beaucoup plus lié aux difficultés de déplacement de personnes liées à l'accès aux ressources ou aux conflits, au terrorisme, etc. Mais on pourrait faire face à des difficultés liées au climat, sécheresse, inondation, où on a des populations qui sont rendues vulnérables ou dans la rue sans moyen d'existence. Cet instrument devrait pouvoir intervenir. Donc, c'est un cas concret de réponse. Le deuxième cas concret que je pourrais citer, c'est dans le domaine des transports. Et là encore, nous avons des outils de mobilisation de l'intervention régionale en termes d'infrastructures de transport. Et nous avons, à travers ce schéma directeur, un grand nombre de projets stratégiques qui vont permettre d'assurer l'interconnectivité. Et il est impératif que pour le développement donc économique de la région et des échanges commerciaux, la conception de ces infrastructures routières soit résiliente, n'est-ce pas, aux impacts actuels, mais aussi futurs des changements climatiques. Donc, il s'agit, une chose est de développer des schémas d'infrastructures, mais une chose est de les projeter dans le futur pour travailler à leur résilience par rapport aux impacts climatiques. On a vu des inondations de cours d'eau ou des pluies diluviennes qui ont coupé, par exemple, des routes en deux. Est-ce qu'on peut, dans les processus de planification, anticiper et prévoir à partir des historiques ou à partir d'un certain nombre de données, bâtir des infrastructures qui vont tenir compte de ça, afin que lorsque nous allons faire face à ce type de choc, nous soyons en capacité de bâtir notre résilience et de résister. Alors, concernant l'atténuation des changements climatiques, notre stratégie régionale climat va, j'allais dire essentiellement, miser avant tout sur l'atteinte des objectifs régionaux, déjà qui sont très ambitieux, hein, déjà très ambitieux en matière d'efficacité énergétique par rapport à nos programmes, par rapport aux énergies renouvelables, pris déjà en 2015, et nous avons approuvé depuis 2015 la politique sur les énergies renouvelables, qui vise notamment à faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, dans le mix électrique pardon, global de la région à 48% d'ici 2030. Donc ce sont des efforts importants au niveau régional et nous essayons de les transposer au niveau de nos pays pour que cela puisse être matérialisé. Alors le deuxième volet de notre intervention de façon concrète, c'est de soutenir les pays, les États membres, avec, sur des sujets à forte économie d'échelle pour lesquels le mandat régional a une forte, légitimité, une forte pertinence. Un des éléments, c'est par exemple l'accès aux données climat. Il est inutile que les pays cherchent à c'est peut-être pertinent, mais ce serait encore plus important, plus intéressant qu'à l'échelle des 15, nous essayons de bâtir des mécanismes d'accès aux données climat ensemble. Et ensuite, on les partage. Et ensuite, on peut les retransposer et faire des modèles statistiques, des modèles de prévisibilité pour notre région. Parce que quand il y a des phénomènes climatiques, il n'y a pas de frontières, j'allais dire, dans les airs ou dans les eaux. Nous sommes tous interconnectés. Et donc, nous devons travailler sur cet aspect-là. Et nous avons un centre climatique, des services climatiques régionaux, qui est le centre Agrimet à Niamey, que nous sommes en train de renforcer et avec qui nous travaillons pour que nous puissions bâtir de plus en plus des données en qualité. Sur l'accès au financement, c'est un autre élément à valeur ajoutée. Vous savez, les panélistes qui sont là-bas, de toute façon, les deux représentent leur pays. Ils savent très bien quelle est la difficulté pour nos pays pris individuellement d'accéder au financement climat, que ce soit le fonds vert, que ce soit le fonds adaptation, etc. On a le sentiment, ou en tout cas la nette perception que, en allant ensemble, nous allons être un peu plus forts et nous allons pouvoir réunir nos moyens. Et donc ça, c'est un axe sur lequel nous travaillons pour renforcer les capacités de nos pays en termes d'ingénierie de projets, en termes de capacité de mobilisation de ressources, mais même au-delà des spécificités pays, construire des financements sur des interventions à caractère régional que seul un pays pris individuellement ne peut pas résoudre. Et je donnerai un exemple palpant. L'espace CEDEAO, c'est un espace où vous avez beaucoup de ressources forestières en partage, que ce soit le bassin de la Comoé, que ce soit le Mano River Union, que ce soit les bassins fluviaux tels que le bassin du Fouta Dialon au niveau de la Guinée, où pratiquement les grands fleuves qui irriguent l'Afrique de l'Ouest prennent leur source là-bas. Pourquoi faudrait-il que ce soit seule la Guinée qui s'en occupe? Donc, il faut que les pays ensemble travaillent en amont sur ces données-là et qu'en aval,
tous les éléments de protection puissent être développés. Et par ailleurs, un autre élément sur lequel nous travaillons, c'est de faciliter également le renforcement des instruments financiers au niveau régional, qui seraient un peu, j'allais dire, climato-compatibles, pour que nous puissions aller ensemble. Donc voilà, madame, je pense qu'il n'y a pas assez de temps, mais je pourrais démultiplier les exemples. En résumé, je dirais que la stratégie climat de la CEDEAO aura donc comme entrée essentielle, une entrée sectorielle, énergie, transport, agriculture et autres, mais elle va aussi permettre de positionner notre région en avant-garde devant le reste du monde pour dire, c'est vrai, nous ne sommes pas gros pollueurs ou contributeurs à la destruction de la couche d'ozone, mais nous avons aussi notre part à jouer en termes d'enjeux régionaux pour mieux appréhender la situation. Je crois que le ministre l'avait dit tout à l'heure, les questions d'adaptation sont beaucoup plus au cœur de notre action que les secteurs, les actions de mitigation. Mais les deux doivent être conduits ensemble. Et avant-dernier point, la stratégie du climat sera accompagnée par un dispositif institutionnel et des moyens de mise en œuvre, dont ceux, j'allais dire, financiers, parmi lesquels elle pourra notamment compter sur tout ce qui est mécanisme d'accompagnement. J'ai cité tout à l'heure le centre régional Agrimet, qui va devenir le centre régional des services climatiques pour la CEDEAO, mais également d'autres mécanismes de financement tels que la BIDC, la Banque d'investissement et développement de la CEDEAO, que nous sommes en train d'accompagner pour une accréditation dans les différents fonds climat existants dans le monde, afin qu'ils puissent les mettre à la disposition de nos États membres pour pouvoir accéder au financement. Merci beaucoup. J'espère que vous m'avez entendu et que c'était assez clair. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. C'était très clair et très concret et très utile de voir cette déclinaison sectorielle avec des exemples effectivement pris sur ce qui relève du mandat explicite de la CEDEAO, l'importance des données aussi. Effectivement, c'est pour nous tous un défi d'avoir les données climatiques et de pouvoir faire les modélisations qui permettent ensuite d'orienter les décisions dans un monde qui va devenir de plus en plus incertain. Les questions de renforcement de capacité, d'accès aux fonds verts, c'était effectivement très, très, très utile et très riche. On passe à la dernière étape de ce panel. Donc, j'invite ceux qui auraient des questions dans la salle à les poser via l'application dont le lien vient de s'afficher à nouveau sur l'écran derrière moi et devant moi. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées. La première fait écho à l'intervention du professeur Tarpé sur les questions de société civile et de jeunesse, mais s'adresse plutôt aux intervenants de la Côte d'Ivoire, Monsieur Zabka ou à Monsieur Traoré s'il est encore en ligne, pour voir comment de votre côté vous travaillez sur ces sujets-là. Je commencerai par vous, Monsieur Zabka. Alors, merci beaucoup, madame. Je pense qu'il y a deux questions qui nous sont adressées, donc au niveau donc de l'engagement des parties prenantes, que ce soit donc pour le secteur privé ou pour les organisations de la société civile. Alors, je l'ai dit dans mon intervention, tout cela se fait donc dans le cadre de plusieurs plateformes qui ont été mises en place. C'est vrai, je revenais dessus en ce qui concerne un certain nombre d'outils à mettre en place pour opérationnaliser cette coordination. Mais n'empêche que le travail qui est fait, et surtout tout le gros travail qui a été fait donc, sur la révision, s'appuie donc sur ces différentes coordinations qui sont en place. Vous savez que le secteur privé, il est organisé autour de fêtières. Les organisations de la société civile ont également des fêtières. Et donc, on s'est appuyé donc sur ces dispositifs pour mettre en place donc ces différentes plateformes-là qui sont finalement des plateformes qui nous permettent donc d'assurer ensemble la coordination et faire le suivi donc de la mise en œuvre de certaines activités climatiques. Et au-delà de cela, dans les entités qui ont été citées, on a des personnes avec qui nous interagissons qui sont en fait nos points focaux. Alors, que ce soit donc au niveau du secteur privé, mais également de la société civile, on a donc ce lien-là. Et nous travaillons avec ces personnes-là, que ce soit donc dans la collecte des informations, dans la collecte des données, dans la validation, j'allais dire, de tout spécifique. Nous appuyons donc sur ces plateformes-là et ces points focaux
pour travailler et avoir donc ces résultats. C'est vrai, et peut-être pour rebondir à l'autre question qui parle également des défis qui sont les nôtres, je pense que je suis revenu dessus. C'est vrai qu'on a tous ces dispositifs-là qui existent, mais il faut falloir mettre en place un cadre opérationnel. Un cadre opérationnel, et peut-être assez rapidement pour revenir un peu sur la révision, c'est ce qu'on a fait. Pour faire la révision donc, de nos CDN, on s'est appuyé spécifiquement sur des consultants. Vous prenez un consultant, il va vers donc, un secteur clé pour faire la collecte des informations. Et quand il finit son analyse, qu'il apporte les résultats, tout de suite, les différents secteurs sont réfractaires. Ils se disent, mais où est-ce que vous avez collecté l'information? Comment est-ce que vous avez procédé? Quelle est la méthodologie qui a été utilisée? Donc, il nous faut beaucoup de discussions avec les sectoriels pour déjà endosser les résultats avant même de faire la compilation. Ça nous a posé d'énormes problèmes donc, au niveau donc, du processus de révision. Et c'est pour cela que nous attendons avec beaucoup d'impatience ce programme donc, de l'Union européenne donc, qui va être appuyé par Expertise France, qui va nous permettre donc, de renforcer la capacité des sectoriels. De sorte à ce qu'eux-mêmes ils puissent donc faire la collecte des données, mettre en place donc, au sein des ministères sectoriels des dispositifs opérationnels. Il s'agira donc à la fin de la journée pour le ministère de l'Environnement d'aller donc vers ces structures donc qui sont pour la plupart qui seront basées. Donc on va discuter de ça. Mais ce qu'on verrait, c'est que ces personnes clés-là soient dans les directions de planification des différents ministères de sorte à renforcer leur capacité, leur permettre de collecter l'information, de la traiter et de faire remonter l'information donc au ministère de l'Environnement qui est là finalement pour assurer la coordination. Comme ça, on n'attendra pas donc à un cycle de révision pour recruter le consultant, mais ce sera un travail qui sera fait au jour le jour et qui va permettre donc, de porter l'information et permettre aux politiques de décider. Ça permet déjà au secteur eux-mêmes de savoir quelle est leur trajectoire donc, carbone dans le cadre des activités qui sont en cours de mise en œuvre. Donc pour nous, ce sont des gros défis. Cette coordination, elle est entendue donc au niveau de la Côte d'Ivoire pour nous permettre donc de rendre compte de façon très efficace. Parce que l'une des insuffisances qui a fait que nous sommes allés à la révision, c'était que la première CDN n'était pas adossée à un système de suivi évaluation. C'est vrai qu'on mène beaucoup d'actions, mais si aujourd'hui on s'arrête pour dire en Côte d'Ivoire, vous avez dit en 2015 que vous allez réduire de 28%, où est-ce que vous en êtes? Ça met beaucoup de difficultés que nous allons le faire. Et donc, pour nous, le gros défi aujourd'hui, pour ne pas prendre suffisamment de temps, c'est vraiment la mise en place de ce cadre de suivi évaluation qui va nous permettre donc de rendre compte de façon efficace, non seulement à la Convention, mais à nos gouvernants pour qu'ils puissent prendre donc des décisions assez efficaces. Donc c'est vraiment les deux questions. Merci. Merci. Le suivi évaluation, et puis on l'entendait, hein, toutes les questions de renforcement de capacité, de formation pour permettre une meilleure appropriation et une gestion de tous ces processus, c'est fondamental. Monsieur Traoré, vous êtes en ligne. Si vous êtes encore en ligne, je regarde la technique derrière. Vous étiez également interrogé sur cette question de place de la société civile dans vos travaux. Et vous êtes encore en ligne, c'est très bien. Je suis toujours en ligne. Merci au Dieu de la connexion. Non, mais notre grand frère du Côte d'Ivoire, les problèmes que lui il a au niveau national, ils sont amplifiés chez nous au niveau régional. Et la société civile est partie prenante dans les dispositifs. C'est pour cela d'ailleurs que parfois l'opinion publique ou les citoyens de l'espace CDAO ont l'impression que les choses sont très lourdes ou sont trop lentes. Mais parce qu'on veut des processus très inclusifs, itératifs et très participatifs. C'est ça même qui est la nature de la meilleure proposition pour la réussite d'une politique publique. Quand vous avez rassemblé le maximum de personnes autour de vous. Déjà, au niveau régional, nous avons ce que nous appelons des groupes de travail par néologie, on dit souvent task force, où on regroupe l'ensemble des intelligences, des acteurs multisectoriels, que ce soit des ONG, des organisations de la société civile, des organisations de producteurs sectoriels, pour participer au processus de réflexion. En plus de ça, nous sommes bien impliqués dans un travail dynamique que nous faisons avec ce que nous appelons les groupes des négociateurs, qui sont les négociateurs ouest-africains qui travaillent aussi au niveau continental pour aller défendre des positions à un plus haut niveau.
Et nous avons avec nous tout un ensemble, panoplie d'organisations sectorielles, depuis la Fédération ouest-africaine des chambres de commerce et d'industrie, des organisations du secteur privé, des filières riz, maïs, poisson, dans le domaine de l'énergie, etc. Il y en a énormément. Et nous travaillons avec toutes ces organisations-là, autant que faire se peut. Mais en même temps, il ne faut pas prendre trop de temps au dialogue ou à la concertation. Il faut à un moment donné coucher l'action sur la table et commencer à mettre en œuvre. Alors, les autres institutions, j'allais dire un peu plus formelles, telles que les banques d'investissement BIDC, BOAD est déjà accréditée par ailleurs, elle sert déjà comme bon mécanisme de financement pour le fonds vert, fonds adaptation pour les pays de la zone CFA. Mais nous avons aussi la BIDC qui est en train de monter en puissance et d'autres institutions régionales comme WASCAL, qui est une institution qui fait le pont dans le cadre de la formation académique pour les étudiants de master, PhD, doctorat. Et nous avons aussi le Centre régional AgriMed qui fait aussi des formations. On a même un master spécialisé sur le climat, l'adaptation au changement climatique. Donc, ça nous permet ainsi d'impliquer vraiment très largement le monde universitaire, le monde des praticiens, des fonctionnaires, des professionnels, pour qu'ils aient une meilleure connaissance de cette dynamique. En termes de défis, naturellement, je pense qu'il y a trois essentiellement, à mon avis. Les capacités opérationnelles et institutionnelles. Ensuite, les capacités de coordination. C'est très compliqué, ce que j'ai expliqué simplement, c'est très compliqué de coordonner et de faire partager une vision commune avec des acteurs multisectoriels. Mais ce n'est pas impossible. De toute façon, c'est notre tâche. Donc, nous travaillons pour cela. Après, ce qui me paraît être un défi majeur, c'est d'être en capacité demain de mettre en place un mécanisme ou une facilité qui nous permette de répondre aux demandes des États. Quand un État demande, par exemple, de lui apporter des appuis pour faire des études sectorielles, des analyses pointues, qui lui permettra, in fine, de prendre une décision opérationnelle en termes de finances publiques, en termes peut-être de fiscalité, en termes de mesures publiques d'intervention en matière d'action climat, il faut que nous soyons en capacité d'apporter cette réponse-là rapidement. Et ça reste un défi majeur aujourd'hui où on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires. Les défis sont tellement nombreux dans la région parce que quand vous allez parler de l'affaire du climat auprès de quelqu'un qui a faim ou de quelqu'un qui est en train de lutter contre d'autres types de problèmes, il va vous dire que vous êtes un peu dans les nuages. Mais il faut pouvoir transcrire ça en des faits concrets pour qu'ils comprennent vraiment que ça touche à sa vie de tous les jours. Merci. Merci beaucoup, M. Traoré. I would like to ask the last question to Professor Tarpe. Mm-hmm. There was a question regarding how does an institution like your agency mm-hmm. engage stakeholders like the private sector or the youth to ensure the implementation of your NDC in Liberia? Okay, first we'll start with what the NDC is. The NDC, as you know more than I do, is the country's definition of what it tends to do about the effect of climate change. That would be waste, the way we manage the waste, the way we treat fossil fuel, those things, renewable energy and all of that. I earlier told you that the country, 60% of the country is below the age of 35. So we start our work from that level, from the community. We work as an active intersectoral unit. We go to the schools, we go to the communities, and we get them involved. As a matter of fact, something else is starting, when thanks to these guys sitting over here. We get a community involved, and they go into what we call CBEs, community-based enterprises, because the polluter pay principle is applied at that level. If you pollute the place, you create dirt, you must pay some money for it. So these kids, these young people are organized. They are student groups, the environmental groups are all in all of the schools. So they are informed about that. Our people go there regularly. In the community, they turn the waste into money. They form their companies in the community, maybe 5, 6, 7, 8 persons, to the extent that we can help them. We create a corporate umbrella for them to do it legally. And some of them are beginning to now turn waste into usable products. Those of you who got mathematics background, they are geometry sets. Now, there are kids now who are turning plastic waste into geometry sets. They are turning plastic waste into fuel. Again,
that should be for a short time, because fear again is another situation. So that is where our strength lies, because if we can get the message through that level, that 60% of the population, then a lot has to be done. Then we come to the industry. The industry, now you have to understand the configuration of the industry and what drives the industry. That's where the political organization comes in. Because if I'm telling a guy, say, I will not call the name of the company that is involved in gold, the production of gold. These guys, they use something like 1.4 million gallons a quarter. And that fossil fuel, that's a lot. How do we get them to move towards renewable energy? And I will come to my brother here. That's where the sub-regional group begins to work together. Ivory Coast, we have the West African Power Pool, we have the CLSG, which is now using renewable energy, using the hydro. Now, in the next quarter, we expect those companies using fossil fuel to only use it as a backup, because that is going to be very, very important. And so when we get a community involved, that's what we do to get the young people involved, get the community involved, and then our contribution with the NDC, we think it has a chance. Why? Because we are talking about tomorrow, and this is the country, this is the population we are talking about. So we work with them, and by working with them, the power goes up there to the political part. Fortunately, at the head of the, at the top of the political level, are people who come from down there, and they understand that. That's where we are. Is it going to be an easy thing? No, no, it's not going to be a walk in the park. But I can assure you, we are on a path to make sure we can pursue that. And you know, there are two elements of it. Some of them are conditional, some are unconditional. The unconditional is about a third. So we look up to the international community for the remaining two-thirds to be able to effectively follow that. People are saying, oh, it's not ambitious enough. But our attitude in the EPA in Liberia is that as much as you want to be ambitious, you have to be realistic. Because at the end of the day, if you get so overly ambitious and you are not able to deliver a reasonable part of that, then you create, that becomes a trust issue. And we don't want that. If we stay at 490.5 million where we are, we do better and we do more than that, then I think we prefer to do that. And that's what the situation is. So our work with the young people is just at that level, because they are involved and they will help us to do it. Thank you. Thank you very much. And it's nice to end this session with this word about involving the youth. We know, of course, how important it is. Mm-hmm. There was a last question for Nicolas, but I think we have no time left. I would like to thank, pardon, et je peux repasser en français. Je voudrais vous remercier, mais c'est par politesse aussi. Je voudrais vous remercier à tous pour cette session que j'ai trouvée personnellement passionnante, montrant à quel point à tous les niveaux ces questions de prise en compte de changement climatique requièrent de changer les organisations, d'aller au plus près des populations. Nicolas. J'imagine que les moyens humains qui sont mis en place, notamment par le Liberia, auprès des jeunes et des populations, sont importants. Et on sait que ce sont des efforts pour les différents ministères et organisations qui s'en occupent. On a aussi très bien vu le lien entre le local, les collectivités, le secteur privé, le national et le supranational. Et tout ça a été effectivement très riche à chaque niveau d'intervention des organisations concernées. Merci à tous de votre participation et de votre présence à cette heure tardive. Et à très bientôt au sein de cette COP. Thank you. Thank you. I think I got that. Bye-bye.